faire de montrer. Décontraction et bonne ambiance, rien de plus normal chez les Bleus, car plus qu'une équipe, les braqueuses, c'est une véritable bande de copines. On est des joueuses normales, on est des personnes normales, donc c'est ça aussi peut-être que le public est content de voir. Et voilà, on mouille le maillot pour cette équipe de France, tout ensemble. On est vraiment. En plus, il y a une ambiance. Alors je sais pas si autant l'année dernière, c'est vrai qu'à Londres, on s'entendait bien, mais c'était pas aussi parfait. Autant là, je pense que l'ambiance, elle est tellement extraordinaire que je pense que ça se voit même sur le terrain, quoi. Et c'est bien pour ça que le public s'est invité dans l'aventure du gang. Championnes en 2001 et 2009, les vice-championnes olympiques visent ce soir, devant leur public, un troisième titre européen. De quoi se transcender un peu plus. Le public est merveilleux. On sent vraiment qu'il nous porte. Voilà, tout simplement, il nous porte. On se sent plus légère avec. La Marseillaise a cappella, je ne sais pas si je revivrai jamais ça, si ce n'est dimanche. Jouer à domicile, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait nous faire. Un beau cadeau de départ aussi, puisqu'Emeline Ndong et Edwige Lawson joueront là leur dernier match avec la sélection. Alors certes, un adieu aux compétitions internationales, mais un simple au revoir aux copines.